On dirait moi quand je faisais de la flûte en première secondaire, frère. Tout claqué, je savais rien faire. Oh là là, ça commence bien. Quand Patricia est enceinte, je me demandais toujours si c'était un garçon ou quoi, bon. Alors, si j'avais eu une fille, alors là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais quand j'ai vu que c'était un garçon, alors j'ai aidé là, ça va être un crossman. Il a eu sa première moto à quel âge? À 14 mois. Eh hey, mais en vrai, il pilote bien. Oh, le petit, il est trop mignon, en vrai. Dans les montées, qu'est-ce qu'on fait? À fond de gaz, debout. Ça va, tu sais bien ta leçon? Dans les descentes. Jeudi, tu vas en bas de Kevin, jeudi. Tu dors, mon vieux, aujourd'hui, tu dors. Laisse-toi aller dans l'air, debout. Allez, le gaz, vas-y, Nicolas. Allez. En fait, moi, j'aime pas cette mentalité. Bon, après, c'est mon avis, hein. Ce n'est que personnel. Mais j'aime pas quand tu forces quelqu'un à faire quelque chose. Genre, pour moi, si t'as envie de faire un truc dans la vie, tu le fais parce que t'as envie de le faire, parce que t'as la motivation, t'as le... Je sais pas, t'as la passion. Après, c'est mon avis, mais je pense honnêtement que quand tu veux faire quelque chose, mais tu fais de toi-même. Alors là, il le pousse un peu. Est-ce que l'enfant il aime bien? Ça, je sais pas te dire, tu vois. Il y a poussé le gamin dans sa passion et poussé un enfant qui n'a clairement pas envie de faire ça. Voilà, là, on a tous un peu notre avis. J'adore, j'adore. C'est ce que je veux, putain, les gars, dans cette émission. Putain, je veux que ça débatte, les gars. Allez, vas-y. Why are you running? Why are you running? Allez, continue. Il est tombé au ralenti. Il est tombé pendant 4 ans, frère. Il est tombé sur 10 mètres. Allez, non. Nice, il a... Oh. Allez, hop, tu remontes, hein. Et t'apprends à conduire comme il faut, mon Dieu. Tu dois aujourd'hui. Avance. Hello, darkness, my old friend. C'est vrai que le père, il est à fond derrière son fils, mais il est un peu trop dessus, tu vois. Déjà que tu peux brusquer un enfant quand il a 12-13 ans, là tu le brusques alors qu'il a 3 ans et demi, tu vois. Alors les gars, je sais pas du tout où vous voulez le classer, cet épisode. J'hésite entre les deux là. J'ai regardé la vidéo, Mathéus. Quelle vidéo, frérot? La suite. Ah ouais! Putain, les gars, on se le mettrait bien, non? On dirait que mon père me force à faire du motocross alors que... C'est pas vrai. Bah non, c'est bien ça, maintenant il veut que j'arrête, parce qu'il a peur que je tombe, que je me blesse ou... On l'entend dire dans l'émission, allez, vas-y, plus fort, à fond les gaz, à fond la caisse. Ça c'est parce qu'on lui avait dit de faire l'entraîneur. Alors lui il a fait l'entraîneur, mais il a peut-être été un petit peu trop... Dans le fond c'est cool, tu vois. Parce que lui-même il parle. Lui-même il dit la vérité, il dit bah non, mon papa c'est le meilleur du monde. Mais ça me fait plaisir parce que finalement le petit dans cette histoire il assume le truc quoi. Après les mecs, on s'est tous fait niquer par notre père à un moment donné hein. Il y a un moment donné ton papa il t'a crié dessus, t'as fait une bêtise ou il t'a un peu secoué, c'est normal en fait.